Bénissons Dieu parce que la Bible nous dit, il siège et trône dans la louange et dans l'adoration de son peuple. Amen. Amen. Quand nous sommes dans l'adoration, quand nous sommes dans la louange, la Bible nous dit quelque chose de spécial se produit. L'apôtre Paul disait, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Quand nous louons Dieu, quand nous adorons Dieu, nous sommes remplis de sa présence. L'être humain, chaque jour de nos vies, il est comme à des moments où nous perdons sa présence. Les situations de la vie vont nous rendre des fois secs, vont nous rendre de nouveau nos mentalités charnelles. Mais parce que nous sommes nés d'en haut, au moment où nous commençons à louer, où nous commençons à adorer, nous commençons à être remplis de sa présence pour pouvoir voir à la manière de Dieu. Amen. Amen. Le but des enfants de Dieu, le rôle des croyants, c'est de pouvoir voir avec les yeux de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes les yeux, nous sommes la bouche, nous sommes les oreilles, nous sommes les mains de Dieu, nous sommes les pieds de Dieu sur terre. Amen. Amen. Parce qu'il veut nous utiliser, nous, Église de Jésus-Christ, dans le monde entier, pour que la lumière brille dans les ténèbres. Amen. Amen. Les ténèbres nous environnent, nous pouvons voir les informations, nous pouvons voir tous aujourd'hui que le monde ne va pas bien. Mais l'Église a un but et a une mission, c'est d'apporter un message nouveau. Amen. Un message de réconfort, un message sur lequel le monde peut commencer à s'appuyer. Le monde n'a plus de message pour apporter la paix. Mais la Bible nous dit que Jésus est venu pour que nous ayons la paix. Amen. Une paix qui surpasse notre intelligence, une paix qui surpasse toutes nos pensées. Parce que ce qui fait peur à l'homme, ce sont nos pensées. Amen. Les pensées de l'homme, c'est de les pensées que commence à venir la source des inquiétudes. Quand nous pensons, quand nous commençons à analyser notre vie, quand nous commençons à voir toutes les choses de notre vie, avec nos yeux humains, nos pensées nous font paniquer. Amen. Nos cœurs peuvent venir nous condamner. Mais Jésus a dit, si ton cœur te condamne, je suis plus grand que ton cœur. Je suis plus grand que ton cœur. Amen. Si ton cœur te condamne, la Bible nous dit, Jésus te dira, je suis plus grand que ton cœur et je ne te condamne pas. Amen. Si le monde se sent condamné, Jésus dira, je suis plus grand que le monde parce que j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu la puissance du monde. J'ai vaincu le prince des ténèbres. Et il est venu afin que ses brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Amen. Nous avons pu voir les derniers cultes, combien Jacob était passé à côté. Il avait été béni par Dieu. A été rendue infructueuse parce qu'il s'y est pris de la mauvaise manière. Et nous avons pu voir ensemble qu'à la fin de sa vie, alors qu'il est devant le Pharaon, il a dit au Pharaon, les années de ma vie ont été peu nombreuses et mauvaises. Ils n'ont pas atteint les bonnes années comme les années de mes pères. Pourquoi? Parce qu'il cherchait une bénédiction par les hommes. Amen. Abraham avait compris. Nous avons pu voir ensemble que même quand Dieu lui-même est venu, Jacob n'a pas reconnu qui il était. Et lui a dit, je veux ta bénédiction, mais je veux savoir qui t'es. Et nous avons pu voir que l'ange de l'Éternel, qui est Jésus, lui a dit, pourquoi me demandes-tu qui je suis ? Nous avons pu voir que cette mentalité que Jacob avait eue a affecté Israël, sa descendance, le jour où Jésus est arrivé. Le jour où Jésus est monté sur le petit d'une ânesse, un petit âne, un petit âne sauvage. La Bible nous dit, alors que dans le chemin qui allait vers Israël, vers Jérusalem, le peuple qui est aux Hosanna au fils de David, au moment où il entrait dans la ville sainte, la Bible nous dit que les enfants d'Israël ont dit, mais qui est cet homme? Pourquoi crie-t-on comme ça pour lui? La Bible nous dit que Jésus a dit,
serez délaissés. On ne laissera pas sur cette ville, pierre sur pierre, qu'il ne soit renversé. Jusqu'à ce que vous vous souveniez et que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Ce que Dieu attend de chaque enfant de Dieu, c'est que nous puissions le bénir. Amen. Nous sommes tous friands de ces bénédictions et nous aimons les bénédictions. Mais le principe pour que Dieu puisse nous bénir est le principe que nous déjà nous commençons à les bénir. Amen. Abraham avait compris ce principe. Et nous pouvons voir que quand le prince de Melchisédek est arrivé, Abraham n'a pas dit « bénis-moi ». Mais Abraham a dit « ne passe pas à côté de la maison de ton serviteur sans que je puisse te recevoir et te bénir. » Amen. Abraham a commencé à bénir. Et Dieu a béni Abraham. Amen. La bénédiction de Dieu va toujours avec ce que nous lui bénissons. Amen. Quand nous bénissons, Dieu nous bénira. Comme nous voulons donner de notre cœur à Dieu, de notre âme, de notre force, de nos pensées, Dieu se souvient et Dieu bénit. Amen. Chaque fois que Dieu se souvient, Dieu bénit. Amen. Nous pouvons voir tous les hommes de la Bible. Et quand je lis ma Bible, je vois que chaque homme qui a été béni est passé un moment dans sa vie par un moment d'épreuve, par un moment où Dieu l'a éprouvé. Et dans ce temps d'épreuve, Dieu a voulu voir si cet homme, cette femme, commençait à le bénir pour que Dieu puisse se souvenir ou accorder sa bénédiction. Amen. Dieu a conduit les enfants d'Israël alors qu'ils sortaient de l'Égypte dans le désert, pour qu'ils puissent apprendre à connaître qui est Dieu et apprendre à l'adorer. C'est ce qu'il a dit à Moïse. Je vais éprouver ce peuple et que tu l'amènes sur ma montagne sainte afin que ce peuple apprenne à m'adorer. Jésus, quand il est venu, il n'a pas changé cette loi. Il a accompli toute la loi. Il a pris toutes nos malédictions, tous nos péchés, mais il n'a rien changé à cette loi. Il n'est pas venu chercher des chrétiens, une religion. Il a dit, je suis venu pour chercher des vrais adorateurs qui adorent le Père en esprit, en vérité. Voilà de tels adorateurs que je cherche. Il est venu en esprit, pourquoi? Parce que il nous a remplis de son esprit par lequel nous pouvons dire, Abba Père, amen. Nous avons reçu l'esprit d'adoption par lequel nous sommes nés de nouveau. Mais il veut aussi que nous soyons vrais avec lui. Amen. La vérité doit faire partie intégrante d'un enfant de Dieu. La vérité doit faire partie intégrante de notre vie de prière. Amen. Si le monde n'accepte pas d'être vrai les uns envers les autres, nous en tant qu'enfants de Dieu, apprenons à être vrais avec Dieu. Amen. Il y a des fois des choses qui ne nous plaisent pas, qui nous déplaisent. Mais combien de fois sommes-nous allés vers Dieu et avons-nous dit, Seigneur, ces choses ne me plaisent pas. Amen. Combien de fois avons-nous parlé à Dieu? Dire, Seigneur, ces choses ne me plaisent pas. Ces choses me font mal. Et par moi-même, je n'ai aucune force, aucune puissance pour changer cette situation. Si nous sommes vrais avec Dieu, à un moment donné, lui-même accomplira sa volonté en moi-même. Amen. Je donne un témoignage. Un jour, j'étais sur mon lieu de travail. Et alors que je travaillais, parce que certains savaient que j'étais chrétien, ils commençaient à moitié m'insulter, à me pousser, à me chercher, à me harceler. Et moi, j'étais en train de travailler à la chaîne, et j'ai parlé à Dieu. J'ai dit, écoute Seigneur, toi tu as dit dans ta parole que je dois aimer mes ennemis, aimer ceux qui me haïssent. Mais tu vois Seigneur, ces gens-là, qui sont en train de me faire ça. Je n'ai pas envie de les aimer, mais j'ai envie de les frapper. Je dis comme ça à Dieu. Je dis, Seigneur, je vais bien obéir à ta parole, mais moi, je n'arrive pas. Je dis, si toi, tu ne me donnes pas un coup de main, peut-être que dans 20 minutes, je vais le taper vraiment. Et quand est-ce qui s'est passé? J'ai fait une prière qui me semble pas du tout une prière religieuse. 20 minutes après, même pas, ces mêmes gens continuaient,
Et à un moment donné, je les regardais et je les aimais vraiment. Je n'avais même plus envie de me fâcher. Et c'est comme si leurs paroles ne m'atteignaient plus. Et j'ai trouvé ça étrange et j'ai dit à Dieu, mais c'est bizarre. Il y a 10 minutes, j'étais les nerfs en bloc. J'ai dit, je t'ai même pas fait une prière spéciale, je t'ai seulement dit comment je pensais. Et voilà maintenant qu'ils continuent et je les aime vraiment. Et le Saint-Esprit m'a parlé. Il m'a dit, voilà l'attitude que j'attends de mes enfants. Voilà ce que j'attends de mon peuple. Il y a des moments où mon peuple passe par des situations difficiles, par des moments difficiles. Mais ils n'admettent pas la réalité de leur cœur. Ils ne me disent pas ce qu'ils ressentent. Ils prient comme s'ils récitaient les versets, mais ne me demandent pas mon aide en disant qu'ils en sont incapables. Et alors j'ai compris ce que l'apôtre Paul a commencé à dire à l'église de Galates. Il a dit un moment aux Galates dépourvus de sens, pourquoi après avoir commencé par l'esprit, continuez-vous par la chair? Amen. Pourquoi il leur a dit ça? Parce que nous commençons tous par l'esprit. Le jour de notre nouvelle naissance. Nous ne savons pas prier, nous ne connaissons pas la Bible. Nous venons devant Dieu nous disant, Seigneur, je reconnais que je suis pécheur. Et j'accepte ton sacrifice que tu as fait à la croix de Golgotha. J'accepte que ton sang m'a lavé, m'a purifié. Et j'accepte que sans toi, je ne peux pas être sauvé. Nous commençons par l'esprit. Mais tout au long de notre vie, le Saint-Esprit attend que nous continuions. Il veut commencer à mettre la lumière dans nos cœurs. Il a dit que tout ce qui est ténèbre dans nos cœurs, il va le mettre à la lumière. Et si nous sommes vrais avec nous-mêmes et que nous regardons nos vies, nous pouvons voir que bien au fond de nous-mêmes, nous avons beaucoup de choses qui sont ténèbres. Parce que quand nous voyons nos cœurs à la parole de Dieu, nous pouvons voir qu'il y a des choses qui sont comme le jour et la nuit. La Bible nous dit quelque chose, mais notre cœur n'agit pas comme la Bible le dit toujours. Amen. Amen. Mais le travail de Dieu l'a dit, j'arracherai leur cœur de pierre. Je leur donnerai un cœur de chair. Et je mettrai en eux un esprit nouveau. Amen. Voilà le travail que Dieu veut faire chaque jour de nos vies. Et je peux vous en garantir que dans le cœur d'un homme, il y a beaucoup de pierres. Si nous ne le voyons pas à la vue humaine, dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de pierres. Amen. Il y a beaucoup de choses. Donc nous allons lire ensemble dans la Bible. Dans le livre de Jean. Jean 15, verset 1er. Jésus dira, moi je suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte de fruit, il l'immonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes émondés à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut lui-même porter du fruit, s'il ne demeure sur le cep, même vous non plus. Attendez. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure sur le cep. De même, vous non plus, si vous ne demeurez sur moi. Moi, je suis le cep, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Amen. Jésus a dit, sans lui, tu ne peux rien faire. Amen. Il nous demande d'aimer nos ennemis, de pardonner tous ceux qui nous ont offensés. Il nous demande énormément de choses. Mais il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et dans nos vies, quand nous regardons tout ce que la Bible nous parle, toutes les recommandations que Jésus nous demande, voilà l'attitude que Jésus attend. Que nous commençons à être vrais et que nous commençons à dire, Seigneur, je ne vais pas essayer de le faire par ma force.
Je ne vais pas essayer de le faire par mon intelligence. Mais sans toi, je ne peux rien faire. Amen. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Et toutes les choses que Jésus nous a demandées, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons pas marcher dans l'esprit sans lui. Amen. Nous ne pouvons pas manifester les dons de l'esprit sans lui. Nous ne pouvons pas manifester l'amour de Dieu sans lui. Parce que la Bible nous dit que le cœur de l'homme est tortueux et pécheur par-dessus tout. Dans le cœur de l'homme, Dieu n'a rien trouvé de beau. C'est pour cela que l'homme a, que Dieu a déjà voulu détruire l'homme au temps de Noé. Parce qu'il a dit, mais il n'y a rien de bon dans l'homme. Depuis que l'homme a été séduit par le serpent, les choses mauvaises sont là dès son jeune âge. Et on peut le voir avec les enfants. Un enfant a plus de facilité à dire non et à même prendre son jouet et à taper que de dire je te donne et je t'aime. Nous pouvons le voir déjà dès le jeune âge. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions être vrais avec lui. Amen. Si nous voulons grandir dans la foi, grandir dans l'esprit avec Dieu, dire Seigneur, je vais chaque jour mettre ma vie à ton diapason. Amen. Regardez ce qu'il dira. Toujours dans Jean 15, verset 4, demeurez en moi comme moi en vous. Il te demande de demeurer en lui et lui en toi. Comment il peut demeurer en toi? Il peut seulement demeurer en toi quand tu commences à mettre les choses cachées de ton cœur à la lumière. Et chaque jour, Dieu va permettre les situations qui seront confrontées à notre propre personnalité, à notre propre caractère. Non pas pour nous détruire, mais pour nous transformer. Amen. Amen. Dieu veut nous transformer. Et en tant qu'Église de Jésus-Christ, nous devons comprendre comment il va s'y prendre dans nos vies. Chaque jour, il va mettre une situation, une circonstance peut-être qui va t'énerver, peut-être qui va commencer à t'émulsifier tous les sens. Mais il va voir à cet instant, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas demeurer en lui? Est-ce que tu vas dire, Seigneur, voilà la pensée de mon cœur. Amen. Il n'y a pas longtemps, j'avais un frère qui est venu chez moi. Et ça m'a étonné quand je l'ai vu rentrer dans ma maison. Je l'ai reçu dans ma maison, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. J'ai vu une haine et une colère. Je ne sais pas pourquoi, j'ai vu ça dans l'esprit. Alors, je n'ai pas voulu lui dire tout de suite parce qu'il avait un sourire et tout. Et on a parlé, on a discuté, on a partagé. Alors je lui dis, ah, peut-être c'est moi qui me fais des films. Et tout au long de la discussion, le Saint-Esprit commençait à lui ouvrir son cœur pour qu'il me racontait son histoire. Il me disait qu'il avait des histoires avec ses voisins, que ses voisins l'avaient déjà tapé, qu'il s'était même déjà retrouvé à l'hôpital, et que chaque jour, il lui portait plainte, il lui faisait vraiment les pieds de misère parce qu'il était chrétien, quoi. Et il me disait, mais tu sais, ces gens-là, je prie tous les jours pour eux. Et je dis à Dieu, Seigneur, mais pardonne-les. Et il me disait des belles paroles qui semblaient jolies. Et le Saint-Esprit m'a dit, pose-lui une seule question. Mais est-ce que toi, tu les aimes vraiment? Est-ce que toi, tu les as réellement pardonnés? Et là, le frère me dit, écoute, j'ai beaucoup de difficultés. Je combats contre ça tous les jours. Mais j'ai dit à ce frère, je lui ai dit, écoute, cette situation dans ta vie ne s'arrêtera pas tant que tu n'as pas dit la réalité de ton cœur devant Dieu, ce que tu penses sur ces gens, pour que Dieu puisse te transformer. Dieu ne pourra pas agir tant que tu n'es pas vrai avec Dieu. Et là, j'ai vu un homme en larmes, qui a été touché par le Saint-Esprit et qui a dit, Seigneur, je n'arrive pas à pardonner mes voisins, je leur en veux même à mort. J'ai la haine contre eux, il m'est même arrivé de penser à les tuer. Mais j'ai besoin de toi. Je n'y arrive pas par moi-même. Et en l'espace de 10 minutes, l'atmosphère du salon avait changé et cet homme avait totalement été transformé
et avait réellement un amour pour ces gens. Amen. Bien des fois dans l'église, nous ne savons pas comment Dieu agit. Quelqu'un nous offense. On peut arriver dans l'église, quelqu'un ne nous dit pas bonjour parce que peut-être il était dans ses pensées. Ça nous a fait mal au cœur. On dit, ah Seigneur, on lui pardonne. Mais cette offense-là, peut-être on continue, une autre chose arrive. Et ça commence à grandir, à grandir. Et quand nous sommes dans la présence de Dieu, il y a comme un poids sur nos cœurs. Dieu veut transformer nos cœurs. Dieu veut transformer nos vies. Il n'y a pas d'homme qui est supérieur à un autre dans le Seigneur. Nous sommes tous égaux. Moi comme vous, comme n'importe quel pasteur, n'importe quel prédicateur. Nous sommes tous pareils. Amen. Nous avons tous des choses dans nos vies dans lesquelles nous devons combattre. L'apôtre Paul a pu dire à un moment, le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Et le mal que je ne veux pas faire, voilà ce que je pratique. Qui me séparera de ce corps de mort? L'apôtre Paul l'avait compris et essayait d'interpeller les églises qu'il allait prêcher, qu'il allait enseigner, qu'il allait bâtir pour rentrer dans cette dimension de l'esprit. Amen. Pour rentrer dans cette dimension de l'esprit. Et j'aime Jésus. Parce que Jésus, quand il était sur terre, connaissait le cœur de tous ses disciples. Il ne les jugeait pas, mais il attendait que chacun réalise leur pensée de cœur pour qu'il puisse les transformer. Amen. Amen. Il savait que Judas volait. Il ne lui a jamais rien dit. Parce qu'il attendait que par lui-même il dise, Seigneur, je vole. Mais si nous pouvons voir l'histoire de Judas, nous pouvons voir que cet homme n'a jamais été vrai avec Jésus. Et que parce qu'il n'a jamais été vrai, il a terminé misérablement. Amen. Pierre, il était peut-être impétueux, il était plein d'énergie. Mais il reconnaissait ses erreurs. Il reconnaissait ses erreurs. Il a peut-être renié Jésus. Oui, il a renié, mais des fois nous pouvons aussi le renier. Mais il est revenu. Et il a demandé pardon amèrement. Amen. Il a reconnu. Les disciples, à un moment, quand Jésus leur parlait d'aimer son prochain, d'aimer ceux qui les haïssaient, qui leur faisaient du mal, ils ont dit à Jésus, mais augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Nous n'arrivons pas à faire des choses comme ça. Ce que tu nous racontes, c'est trop dur. Il a dit, si tu as la foi, comme un grain de sénévé, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et elle le fera. C'était quoi cette petite foi? Cette petite foi était la sincérité que nous avons par rapport à Dieu. Amen. Si nous avons un tout petit peu de courage pour dire à Dieu notre état de notre cœur, alors ce qui était si imposant dans nos vies, qui nous mettait un lourd fardeau, en un clin d'œil, partira et on sera dans la paix de Dieu. Amen. Voilà le travail du Saint-Esprit journalier dans nos vies. Le Saint-Esprit veut construire, le Saint-Esprit veut transformer et veut nous amener dans une maturité spirituelle. Amen. Il veut que nous devenions des hommes et des femmes mûrs et sages. Amen. Mais dans la sagesse de Dieu, nous devons apprendre comment nous nous sommes pour apprendre à nous aimer nous-mêmes. Le plus grand problème de l'homme, c'est qu'il ne s'aime pas lui-même. Et c'est pour cela que Jésus a dit, tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Mais parce que nous ne nous connaissons pas, nous ne pouvons pas nous aimer. C'est à cause de cela que nous ne nous aimons pas. Nous ne nous connaissons pas. Et quand nous commençons à nous connaître, la personne qui nous fait peur, c'est nous-mêmes. Parce qu'on se dit, mais non, mais je ne suis pas comme ça. Surtout que nous sommes dans une civilisation où tout doit être ordonné, bien, propre. Quand nous commençons à regarder l'attitude de nos cœurs, on dit, mais non, Seigneur, je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme ça, ce n'est pas moi. La religiosité nous amène toujours comme ça. Seigneur, mais ça, ce n'est pas moi. Les disciples, quand ils étaient avec Jésus, oh Seigneur, nous ne te laisserons jamais tomber. Pas nous, Seigneur. Pierre a dit, pas moi.
Moi, je suis prêt à mourir avec toi. » Ils ne se connaissaient pas. Parce que Jésus lui dit, « Avant que le coq chante trois fois, tu m'auras renié trois fois. » Amen. Avant que le coq chante, tu m'auras renié trois fois. Jésus lui montre, « Je te connais mieux que tu te connais. » Amen. Et bien souvent dans nos vies, quand Dieu nous parle, quand Dieu nous donne des directions, quand Dieu... on a déjà tout de suite nos plans. Je vais faire comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. Mais Dieu nous forme et Dieu nous fait passer par un temps d'épreuve pour nous montrer, je vais te montrer comment tu es. Je vais te montrer et t'apprendre qui tu es et je vais te transformer. Amen. Je vais te transformer. Et tant que nous sommes durs, tant que nous ne comprenons pas ça, nous n'allons jamais grandir. Nous aurons beaucoup de connaissances intellectuelles, mais dans l'esprit, nous ne grandissons jamais. Nous restons toujours à la hauteur des bébés parce qu'on n'a pas compris les choses élémentaires. C'est pour cela que le Saint-Esprit a dit à Moïse, c'est un peuple à la migraine. Ce peuple ne comprend pas quand je veux lui dire quelque chose. Ce peuple ne comprend pas quand je veux lui faire quelque chose. Mais nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, toutes ces erreurs de nos collègues, de nos frères, de nos sœurs, doivent nous apprendre pour dire, Seigneur, je vais m'humilier devant toi et reconnaître l'état de mon cœur. Amen. L'état de mon cœur. Des fois, nous pouvons prier des choses et nos cœurs nous disent le contraire. Ça vous est jamais arrivé? On prie des choses et tout d'un coup, nos cœurs, on a l'impression qu'ils nous disent le contraire. Et on a l'impression qu'on est rempli de peur, de crainte, mais on ne sait pas ce que c'est. Alors mon bien-aimé, mes frères, mes sœurs, ce que je vous conseille, c'est quand cela se produit, arrête de prier et dis, Seigneur, je suis en train de te demander quelque chose dans lequel je n'y crois pas moi-même. Alors je te dis ce que je pense et je te demande, change mon cœur. Amen. Cette prière, peut-être qu'elle va durer 10 minutes, mais elle aura plus d'impact dans ta vie que si tu continues à prier sans y croire réellement. Amen. Sans y croire réellement. Et c'est comme ça que nous allons commencer à découvrir qui est Dieu. Et à voir que nous-mêmes, nous avons besoin toujours plus de lui. Si vous demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous, vous irez et vous porterez du fruit. Amen. Tout sarment qui ne porte pas de fruit, la Bible nous dit, il le retranche. Il le retranche, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Il nous appelle à porter du fruit. Amen. Et pour porter du fruit, nous avons besoin de transformation pour porter ce qu'on appelle les fruits de l'esprit. La paix, l'amour, la joie, la patience, la persévérance, la fidélité, la maîtrise de soi. Et si on regarde nos... si on est vrai avec nous-mêmes, a dit, Seigneur, il y a encore alors beaucoup de travail pour que je devienne comme ça. Parce que ma propre personnalité n'est pas comme ça. Mais je veux apprendre. Je veux apprendre. Et la vie chrétienne alors devient pas simplement un exercice religieux, mais devient quelque chose réellement de réel. Parce que tu vas voir que tu es à ton travail, que tu es dehors dans la rue, que tu es dans ta voiture, tu auras besoin continuellement de Dieu parce que ta personnalité et ton caractère, tu vas voir que c'est complètement différent de ce que la Bible te demande d'être. Amen. Tu vas voir, quelqu'un vient à côté de toi dans la voiture, toi tu es à la voiture, quelqu'un te fait une queue de poisson et il te klaxonne, les nerfs montent. Est-ce que tu es capable de bénir à cet instant? Est-ce que tu es capable de dire, Seigneur, je l'aime et je le bénis? Il t'a presque fait quitter la route. T'as presque fait un accident. À celui-là. À ce moment-là, on s'arrête en disant, Seigneur, à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui bouge. Si tu as permis ça, c'est parce que tu veux faire un travail en moi maintenant dans ma voiture. Je reconnais que cette personne, si je l'aurais peut-être eu devant moi, j'aurais peut-être engueulé, j'aurais peut-être crié. Mais je veux que tu me changes. Amen. Et là, on voit que la marche chrétienne prend une toute autre tournure. On devient quelqu'un de différent. Et les gens commencent à voir que tu es quelqu'un de différent. Les gens commencent à voir, il y a quelque chose chez toi que je ne comprends pas. Et là,
je peux lui dire, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Les gens doivent voir le Christ et resplendir dans nos vies. Là où nous devons aller, nous devons laisser le parfum de Christ, le parfum d'une bonne odeur. Amen. Et dans ce temps-là, tu vas commencer à t'aimer. Parce que tu vas voir que celui qui vit en toi est beau et il est Jésus. Amen. Celui qui vit en toi est beau et il est Jésus. Celui qui vit en toi est rempli de compassion, est rempli d'amour, et tu vas commencer à t'aimer. Si tu regardes toi-même, tu ne t'aimeras jamais. En plus, aujourd'hui, avec la télévision, les mannequins, toutes les choses qu'on nous propose à la télévision, si on se regarde dans la glace, c'est « Ah non, ça va pas ». C'est pour cela que les gens se font tout refaire, à base de silicone, à base de... Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas bien. Ils ne s'aiment pas. Et ils voudraient voir quelque chose en eux qui est parfait. Mais ils ne le trouvent pas. Parce que la vieillesse arrive. Les cheveux gris arrivent. Les choses changent. Et plus qu'ils prennent de l'âge, alors là, ça devient l'horreur. Mais nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, plus que nous prenons de l'âge, plus nous nous aimons. Parce que celui qui est en nous est beau. Amen. Amen. Et celui qui est en nous grandit. Jour après jour, je me réjouis de demain, parce que demain, il sera plus grand en moi qu'aujourd'hui. Amen. Je me réjouis pas de hier, parce que hier, il était moins grand en moi. Amen. Mais je me réjouis de demain, et aujourd'hui, je vais tout faire pour que demain, il prenne plus de place dans ma vie. Aujourd'hui, je vais mettre ma vie, Seigneur, je veux que demain, je m'aime plus. Au lieu de regarder nos problèmes, Seigneur, demain, je veux, aujourd'hui déjà, je veux commencer à m'aimer. S'il y a encore des choses ténèbres, alors Seigneur, montre-moi comme ça, je m'aime plus. Amen. Quand tu t'aimes plus, tu arrives à aimer les autres. Amen. Parce que dans ta vie, ça ne sera plus ton amour, mais ce sera l'amour de Dieu qui commencera à se répandre et à émerger. Amen. C'est vraiment important de savoir cela. Regardez en plus ce qu'il dira, toujours dans Jean 15, verset 8. On va commencer même le verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Dans cet être stage de formation que Dieu veut faire dans ta vie, il y a une clé de bénédiction dans laquelle tout ce que tu demandes à Dieu va t'être accordé. Amen. Il y a une ouverture du ciel dans laquelle ta parole même va être entendue dans le ciel. Et quand ta parole est entendue dans le ciel, ta parole est exaucée. Amen. Amen. Ce n'est pas que Dieu n'exauce pas la prière. C'est que Dieu n'entend pas toutes les prières. Il dira, ce sont vos fautes, ce sont vos péchés qui vous éloignent de moi. Amen. Ce sont des fois les choses cachées dans nos cœurs qui nous éloignent de Dieu. Il dirait à des enfants d'Israël, ce peuple m'honore de leurs lèvres, mais leur cœur, il est très éloigné de moi. Amen. Le cœur est très éloigné. C'est pour cela que notre cœur doit être prêt pour que notre parole puisse être entendue dans le ciel. Et tout ce qu'on demande, des choses les plus folles, ça vous sera accordé. Il ne met pas de limite. Il n'y a pas de limite avec Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Il n'y a aucune limite. Par contre, ce qui met la limite, c'est notre cœur qui met la limite. Notre cœur met une limite et on a l'impression que c'est notre cœur qui nous dit « Non, aujourd'hui, on va doucement, demain, on ira un petit peu plus vite. » Non. Faisons tomber cette limite devant Dieu. Amen. Et ton Seigneur, aujourd'hui, je viens devant toi tel que je suis, en te montrant mon cœur tel qu'il est, en ne rien te cachant. Je t'ouvre grand mon cœur et je ne veux rien cacher devant toi. Je ne veux rien te cacher. Regardez quand il continuera.
mon Père est glorifié en ceci, dans le verset 8, que vous portiez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Amen. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. L'amour, demeurer dans l'amour de Dieu et être simplement vrai avec Dieu. C'est aussi fou et aussi bête que ça soit, il faut qu'il y ait un climat de confiance. Dans un couple, ce qui fait durer le couple, c'est quand le couple commence à avoir un climat de confiance dans lequel on peut tout se dire ensemble. Amen. Dans lequel on peut tout partager et dans lequel même si certaines choses les gens ne le savent pas, je peux parler à mon conjoint, à mon conjointe et savoir que je ne suis pas laissé, qu'on ne se moque pas de moi, qu'on ne me laisse pas comme ça. Je sais que je suis accepté. Amen. Ben de la même manière dans laquelle une relation conjugale se produit, de la même manière avec Dieu, il nous accepte peu importe comment on lui détaille notre cœur. Amen. Il croit tout, il espère tout et il supporte tout. Il supporte tout. Des fois, nous sommes là, nous disons, mais si je commence à dire tout ce qu'il y a dans mon cœur, est-ce que Dieu va supporter cela? Est-ce qu'il va encore m'aimer de la même manière? Mais je veux te dire, mon frère, ma soeur, que Dieu t'aimera de la même manière. Mais encore, il dira, il a compris la clé de la confiance. Il a compris que la confiance commence à s'installer entre nous. Amen. Dieu nous fait confiance dans la mesure où nous commençons à lui faire confiance. Quand nous commençons à lui livrer nos cœurs, il commence à nous livrer sa vie. Amen. Il commence à nous livrer ses mystères. Il commence à nous faire marcher dans une dimension qu'on ne comprend même pas, dans laquelle on se dit, mais purée, mais on arrive déjà là. Et un jour, on arrivera au ciel, on n'aura même pas le temps de dire ouf. Et il dira, entre bon et fidèle serviteur dans la maison de ton maître. Il dira une parole qui m'a marqué quand j'ai lu la Bible. Au début de ma conversion, j'ai lu ma Bible. Il a dit, il y en aura qui viendront, qui diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas opéré des miracles en ton nom? Il dira, retirez-vous de moi, je ne vous connais pas, homme qui commettait l'iniquité. Et souvent j'ai lu cette phrase, et cette phrase m'a traumatisé. Et je priais Dieu et je disais, mais Seigneur, que veut dire cette phrase? Des hommes qui, d'apparence, ont l'air de te servir, d'avoir tout donné pour toi, qui te servent, qui chassent des démons, qui prient pour les malades en ton nom, qui te prophétisent. Pourquoi leur dis-tu que tu ne les connais pas? Et j'ai prié, j'ai jeûné. J'ai dit à Dieu, Seigneur, montre-moi. Et un jour, le Saint-Esprit m'a dit, ce sont les hommes et femmes qui m'ont servi avec des dons que j'ai donnés, mais qui ne m'ont jamais ouvert leur cœur. Et j'ai commencé à dire à Dieu, mais qu'est-ce que ça veut dire ouvrir le cœur? Qu'est-ce que c'est ouvrir le cœur? Et le Seigneur a commencé à m'expliquer ce que je vous explique aujourd'hui. Il a commencé à me dire, même si tu reçois mes dons, même si je t'utilise, n'oublie jamais que quand tu es seul avec moi, à être petit et à commencer à dire tout ce qu'il y a dans ton cœur. Ne me ferme jamais ton cœur. Le Saint-Esprit a commencé à me dire, quand tu es dans ma présence, ne me ferme pas ton cœur. Tu peux avoir beaucoup de projets, tu peux avoir beaucoup de demandes, tu peux avoir beaucoup d'intercessions. C'est très bien. Mais ne me ferme jamais la porte de ton cœur. Parce que c'est ce qui est arrivé à ces hommes qui un jour me diront ça. Mes amis, mes frères, mes sœurs, j'ai trouvé que la plus grande clé d'un enfant de Dieu est cette communion intime avec le Saint-Esprit, dans lequel nous sommes là et nous parlons, dans lequel on commence à discuter avec lui, dans lequel où je suis dans ma chambre, je commence à le connaître, à l'inviter, et à lui dire, tu vois, Saint-Esprit, je ne suis toujours pas autant parfait que tu m'attends, mais dans cette intimité, je lui expose tout mon cœur. Et alors là où j'avais le stress,
là où j'étais énervé, j'avais de la colère, de la haine dans mon cœur, de l'amertume. Je commence à lui dire, Seigneur, cette personne m'a tellement énervé, j'aurais pu la cogner. Mais il me dit, tu as continué à comprendre. Et parce que tu es sincère avec moi, je touche ton cœur. Amen. Parce que tu es sincère avec moi, je touche ton cœur. Parce que tu es sincère avec moi. Et j'aimerais que le Saint-Esprit dise cela à tous mes frères et sœurs. Amen. Amen. Vous savez, le cœur de Dieu pour l'humanité, c'est qu'aucun homme ne se perde. Encore moins ses enfants. Encore moins ses enfants. La Bible nous dit que le chemin est étroit et resserré. Et que peu le trouvent. Le chemin est étroit et resserré. Et si nous disons cela dans l'église, c'est pour que tout le monde puisse entrer dans le paradis et entendre « Viens, bon et fidèle serviteur, dans la joie de ton maître. » Je me suis imaginé un instant ces hommes, ces femmes qui venaient devant Dieu et qui disaient « Mais Seigneur, nous avons fait tellement de choses. » Ils avaient une joie à dire à Dieu ce qu'ils ont fait. Mais entendre des paroles comme cela, je n'imagine même pas. Ça doit être horrible. Dire « Je ne vous connais pas. » Mais Seigneur, nous étions là. Nous avons marché dans tes rues. Nous avons chanté dans tes rues. Imaginons un instant. Dis Seigneur, que jamais tu puisses me dire ces paroles. Amen. Aussi loin que nous pouvons aller avec Dieu. Aussi profond qu'on a la connaissance de la parole. Aussi bons sont les dons que Dieu t'a donnés. Tu es seul avec lui. Dis-lui, Seigneur, que jamais je n'entende ces paroles de ta bouche pour ma vie. Dis-lui. Dis-lui, Seigneur, si j'étais dans la voie de ces paroles, montre-moi. Montre-moi là où j'ai fait une erreur. Montre-moi là où je n'ai pas été prêt avec toi. Pour pouvoir t'entendre dire, viens, entre dans la joie de ton maître, mon bon et mon fidèle serviteur. Amen. Tant que nous sommes sur la terre, nous avons la possibilité de transformer notre destinée. Amen. Et les plans, les appels que Dieu a prévus pour ta vie se réaliseront tôt ou tard, à son temps, il le réalisera. C'est quelque chose qu'il a dit et il le fera. Les dons, il les déverse sur ta vie abondamment. Amen. Mais le salut, il en va de notre personnalité et de notre intérêt dans la communion avec le Saint-Esprit. Amen. Nous n'avons pas simplement être besoin d'être remplis, mais nous avons besoin d'expérimenter une intimité réelle avec le Saint-Esprit. Amen. Nous sommes remplis du Saint-Esprit. La Bible nous dit que les dons nous sont donnés. Pourquoi le don des langues a été donné? L'apôtre Paul nous dira que le don des langues est là pour nous édifier. Un édifice, c'est une construction, c'est quelque chose sur quoi ça se repose. Quand nous parlons en langue, nous nous édifions, c'est-à-dire nous nous préparons pour notre communion avec le Saint-Esprit. Amen. Mais combien de fois nous préparons-nous et nous n'entrons jamais dans cette communion? Nous disons, viens-nous, touche-nous. Et combien de fois dit Saint-Esprit, voilà, maintenant il y a 30 minutes, 40 minutes, je vais les passer avec toi comme un ami. Et je vais commencer à parler avec toi. Je vais commencer à te connaître. Je vais commencer à me réjouir avec toi. Et je vais parler avec toi comme une personne. Amen. Je laisse même la prière, mes intercessions, tout. J'oublie tout ça. Et je vais me présenter à toi. Vous savez, quand le Saint-Esprit a commencé à m'interpeller au début, quand j'ai commencé, j'avais la tête qui se bloquait. Et je dis au Seigneur, Seigneur, c'est dur de faire une chose comme ça. J'ai l'impression que je parle avec une personne, mais je vois personne. Et je dis à Dieu, écoute, je veux bien parler avec toi, mais alors, que mon intelligence saisisse que tu es réellement là, au moins je serai vraiment dedans. J'ai à peine dit cette prière, même pas 5 minutes après, dans ma tête ça me fait comme un clac. Tout d'un coup, je savais qu'il était là. Et quand il était là, j'étais moi-même étonné. J'ai dit, mais tu es vraiment là, je ne te vois pas, je ne vois rien, mais je sais que tu es là. Et j'ai commencé à connaître une personne. Il a dit, je ne vous appellerai plus serviteur, mais je vous appellerai ami. Car le serviteur
ne sait pas ce que son maître fait. Amen. Il veut nous appeler amis et qu'on puisse tout savoir de ce qu'il fait. Il veut tout nous apprendre. Je vais arrêter là mon message. Je crois vraiment que le Saint-Esprit nous interpelle. Je crois vraiment que le Saint-Esprit a mis des doigts dans nos cœurs. Et pendant un instant, je vais laisser place à la prière. Je vais laisser chacun devant Dieu. Je vais laisser la musique moi-même et je vais me mettre devant Dieu. Et nous allons prier ensemble. Il y a peut-être des moments où nous avons négligé ça. Des moments où nous ne savions plus comment grandir avec Dieu. Des moments où on avait l'impression qu'on n'avançait plus avec Dieu. Des moments où on avait l'impression que ça bataillait. Aujourd'hui, c'est le temps de grandir. Aujourd'hui, c'est le temps d'une nouvelle dimension. Il dira, je suis sur le point de faire quelque chose de nouveau. Voici, toutes choses anciennes sont passées. Maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Il veut faire quelque chose de nouveau dans nos vies. Il veut faire quelque chose de nouveau dans l'Église. Mais il veut que l'Église soit prête. Il veut que l'Église soit prête à l'entendre et à le recevoir. Amen. Il veut amener le réveil, mais pas un réveil religieux. Il ne veut pas amener un réveil religieux pour cette nation. Il ne veut pas que les églises se remplissent pour se remplir. Mais il veut voir des hommes et des femmes nés de nouveau, remplis de l'Esprit, qui marchent dans l'Esprit et qui grandissent dans la communion intime avec le Saint-Esprit. Il ne veut pas avoir de prédicateur, mais la présence de Dieu seul. La présence de Dieu seul. La présence de Dieu seul. La présence de Dieu qui commence à transformer et à revitaliser le monde entier. Amen. Prions ensemble. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je vais te remercier pour ta parole. Pendant ce temps, Seigneur, je veux, Seigneur, m'agenouiller devant le trône de ta grâce. Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu as parlé ce soir que nous devons être vrais avec toi. Et Seigneur, là où même moi-même je n'étais pas vrai, là où nous n'étions pas vrais, nous te demandons maintenant de transformer nos mentalités. Que toute pensée captive soit soumise à l'obéissance et à la soumission de ta parole, Seigneur. Je renverse toutes les forteresses, tout Seigneur, mon Dieu, mon roi, ce qui empêchait de te connaître, Seigneur. Et que Saint-Esprit, maintenant, tu parles au cœur. Que tu parles au cœur. Que tu parles au cœur. Que tu touches l'Église en cet instant. Que tu touches l'Église en cet instant. Là où il n'y avait pas de joie. Parce que la religiosité amène la tristesse. Mais ta présence amène la joie réelle, Seigneur. Seigneur, maintenant une transformation. Je vois comme des cœurs lourds, Seigneur, qui commencent à être déchargés. Je vois comme des cœurs lourds, Seigneur, qui commencent à s'envoler. Je vois, Seigneur, une ouverture dans l'esprit à cause de ta présence. 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 Saint-Esprit, touche en cet instant. Touche en cet instant. Crée des nouvelles communions avec toi. Crée une nouvelle communion avec toi. Seigneur, que mes frères et sœurs puissent connaître cette communion intime. Seigneur, que mes frères et sœurs puissent rentrer dans cette communion intime pour vivre une vie de victoire. Une vie de victoire. Et qu'un jour nous entendons, viens, entre. Bon et fidèle serviteur. Viens, entre, bon et fidèle serviteur, dans la maison de ton maître. Merci pour ton souffle. Que pendant un instant, nous puissions être simplement en silence devant lui. Simplement le silence.
Renouvelle ton alliance, Seigneur. Ton alliance avec ton peuple. Ton alliance avec ton peuple. Renouvelle. 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 Que Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu as dit dans ta parole, on ne peut pas entrer dans ta présence et en sortir de la même manière. On ne peut pas entrer dans ta présence et sortir de la même manière qu'on allait entrer. Que quelque chose de nouveau se produise. Que quelque chose de nouveau se produise. Que quelque chose de nouveau se passe. Aussi petit que ça soit, aussi grande sera la victoire. Aussi petit que ce soit, aussi grande sera la victoire. Je te bénis, Seigneur, pour cette soirée. Cette soirée que tu as conduite, je ne m'attendais pas du tout que tu la conduises de cette manière. Mais tu as conduit cette soirée. Seigneur, je vais bénir l'église locale, je vais bénir les autres églises locales, je vais bénir ton corps avec Christ, Seigneur, dans le monde. Bénir les internautes qui vont aussi regarder cette vidéo. Je sais que, Seigneur, ils vont aussi être touchés et impactés. Et Seigneur, que ce que tu as déposé dans les cœurs puisse rester, demeurer et porter du fruit. Je détruis maintenant tout ce que le diable voudrait faire pour venir enlever la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Je brise maintenant ton autorité, ton pouvoir, dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, cette parole tombe dans une bonne terre. Tu nous as parlé les dimanches derniers que cette terre de France est une bonne terre. Malgré le temps de famine, Isaac a semé et a récolté au centuple. Seigneur, cette parole, nous la semons maintenant dans la terre de France. Nous la semons maintenant dans la terre de France. Et nous proclamons qu'elle porte du fruit au centuple. Amen. Maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, nous te bénissons et te rendons grâce. Oh, alléluia. Amen. Amen.